Ok. Alors, bonjour à tous. Ici, Dria Peter, commandant Alpha V, des aliens de l'univers, accompagné donc de ma femme, la reine de l'univers, Galaxy Peter. Bonjour, bonsoir à tous. J'ai appris aujourd'hui que c'était la fête des mères sur cette planète. Ah, moi qui adore, mais qui adore danser et faire la fête. Yes. Alors j'ai décidé aujourd'hui que c'est moi qui va vous faire danser. Vous les petits Pinocchio de cette planète. Je suis gentil. Et comme cadeau, je vais vous offrir un livre détaillé sur l'histoire de cette planète corrompue. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas besoin de plusieurs dieux pour parler. Je suis là. Une seule voix est suffisante. Ouais. Bon. Ouais, je sais. Ça va pas trop faire plaisir à mon fils Satan. Ouais. Mais je m'en bats la race. Complètement. Lui qui a la manie de me salir. Ouais. Ici, il m'a donné une étiquette, Dieu. Ouais. Vous savez, quand j'ai su qu'il avait fait son parc de Norvège, sur cette planète, je me suis dit, ça, c'est de la provocation. C'est ah, papa, il est là, alors moi, Satan, je vais foutre mon parc de Norvège sur cette planète entre démons, on va... Ouais, mais non. Va te faire foutre, Satan. Voilà ce qu'il dit, papa. Va te faire foutre. Toi et ton église satanique. Tu sais, ta petite pyramide de toi d'église avec ta croix. Ouais, c'est sauf que ta croix, tu sais, tes guignols d'humains croient que c'est la croix de Dieu. Tu vois, c'est toi qui t'es sali dans l'affaire parce que si on en regarde bien, t'as même l'étiquette de Dieu Isis. 666. Tu vois. Alors avant de me salir, hey, tu sais, révise bien tes prophéties. Hey. À l'avance, si possible. Mais pour vous, les Pinocchio de cette planète, vous les humains et les reptiliens, vous les moins que rien, vous les... Je ne sais même pas ce que c'est au fait. C'est n'importe quoi. Ils sont. Parce qu'à la base, vous ne servez à rien sur cette planète. Hein. Sans vouloir vous vexer, mais bon. Ah, la vérité choque, ouais. Alors j'irai à ceux qui... boivent, bah, buvez, parce que tout ce que je vais vous dire, croyez-moi, vous aurez besoin de boire, ouais. Et pour les gens qui prennent de la coke ou du cannabis ou quoi, bah, prenez-en. Même ceux qui ont fait une cure, redroguez-vous, ouais, parce que vous en aurez besoin après tout ce que je vais vous dire après. Je vais bientôt y venir, patience. Et pour tous les gens, ouais, qui, vous savez... Faites ce que vous avez à faire. Ouais. Bon. Parlons des fêtes, vu que c'est la fête des mères. Ouais, vous les folles humaines, femmes, femelles. Non, pas femelles, femmes, parce que vous êtes tellement diminuées à cette heure. On ne peut pas dire que c'est des femelles, ça. C'est des femmes, des humaines, rabaissées, au plus bas qu'à terre. Ouais, parce que vous faites des gosses pour les allocs, à vrai dire, donc, ouais.
Pour la fête des mères, ouais. La fête des mères. Quelle honte. Bon, soit. Je me dis, bah, moi aussi, je vais faire la fête des mères avec vous tous. Ouais. Moi aussi, j'ai besoin de parler, d'évacuer tout ce que j'ai à évacuer, parce qu'il me reste plus qu'un an sur cette planète avant que je fasse le camp et que je mette fin à la vie de ce corps, donc. Et ma femme aussi. Donc, vu qu'on partira en même temps, chérie, prévu. Donc, autant se lâcher. Ouais. Le final, on l'appellera le final. Le the end, si vous préférez. Ouais. Comme ça. Parce que je sais que beaucoup pensent bien connaître cette planète, mais moi je vais vous la décrire, votre planète, parce que vous avez l'air de croire que vous la connaissez par cœur. Eh ben, je vais vous la montrer à quoi elle ressemble vraiment, votre putain de planète de merde, satanique. Ouais. Je vais vous la divulguer, moi, votre magnifique planète de bisounours. Corrompu. Ouais. Alors moi, j'ai décidé d'inventer. Non, pas d'inventer parce que bon, c'est déjà fait. On va prononcer des fêtes, nous aussi. On va les créer parce que ces fêtes-là n'ont jamais été créées sur cette planète. À part vos délires à vous. Donc on s'est dit, bah nous aussi, on va mettre notre dose, notre paquet de doses de cette planète avant de se barrer de là. Pendant un an, croyez-moi, je vais vous fouetter. Vous allez comprendre c'est quoi un dieu cosmique qui est très en colère contre cette planète et qui rend ses comptes à tous les abrutis de cette planète. Donc on va commencer à employer des noms de fêtes pour cette planète qui n'ont jamais été entendus sur cette planète. Donc je vais commencer. Et quand ce sera le moment de ma femme, je lui dirai que ce sera le moment. Aussi, de son côté. Et puis elle, pareil, de mon côté. Comme ça, on est équilibré. Parce que nous, on adore l'équilibre des éléments, d'entente. Vous voyez, on n'est pas comme vous, les humains. Moi et ma femme, on arrive à s'entendre. Vous voyez? C'est même pour ça que notre union d'amour existe depuis des millénaires. Parce qu'on ne se trompe pas. Et on ne se triche pas. Et on partage tout ensemble. Tout le temps. C'est ça. Un couple, un vrai couple. Et pas ce que vous, les humains et les reptiliens, faites comme délire, là, de votre délire paranoïaque, de faux amours, de faux, je sais pas quoi, de bonheur de merde, là, sur cette planète diabolique satanique. D'enfer. Corrompu. Vous croyez qu'il y a toujours un espoir. C'est sauf que le désespoir vous rattrape, ici. Dans votre soi-disant espoir d'illusion. Parce que le jour où l'humain sera capable de voler de ses propres ailes, là, il pourra dire qu'il a de l'espoir, parce que là, il pourra enfin, de lui-même, s'envoler pour aller rejoindre de l'autre côté. Mais tant qu'il n'en est pas à ce stade, et qu'il s'amuse encore à polluer et à conduire sa machine infernale polluante et destructive qu'on appelle le véhicule terrestre, où il détruit tout sur son passage. Donc voilà, gros max. Donc, là je vais commencer. Moi et ma femme, on va employer des noms de fêtes qui décrit parfaitement votre vraie planète. Et non pas ce que les élites vous montrent ou vous expliquent dans leur sens à eux, corrompus de langage.
vous enlever de la sorte. Débiles comme ils sont. Tiens. Alors. La fête des médias corrompus. La fête de la planète corrompue. La fête des humains corrompus. La fête du crime organisé. Contre l'humanité. La fête des cimetières sataniques. Avec la croix satanique sur la tombe. La fête des pyramides sataniques en Égypte. Reptilienne. La fête de la destruction de cette planète. À toi, chérie. La fête des contrôleurs de cette planète qui sont manipulateurs des élites. La fête des inconscients. La fête des... Comment on pourrait dire ça? Ça ne vient plus à l'idée, là. Continue, chérie, je vais enregistrer dans ma tête. Ça va aller, on est ok. tellement. Allez. Ok. La fête des Vas-y. homos. La fête des mannequins avec du chocolat sur eux. La fête des humains qui vont nager dans les mers pour se faire bouffer la plupart du temps par des requins. La fête des humains qui adorent s'approcher des animaux dangereux qui se font attaquer ou bouffer. La fête des élites reptiliens sous forme humaine corrompues de cette planète. La fête des médias corrompus. La fête de la technologie Internet, où il y a des espions qui nous surveillent et qui nous écoutent et qui contrôlent leurs applications, leurs appareils à distance. La fête des likes et des dislikes sur cette planète de merde dans YouTube. La fête de la vérité qui est cassée par les mensonges. La fête des mécontents sur YouTube qui s'acharnent sur la vérité. La fête des gens qui sont manipulés ou dans YouTube. Paye des tas de millions de vues et des millions d'abonnés. Et là, ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, la vérité où les gens disent carrément la vérité et sont mis en arrière, en recul et sont pas mis en avant. La fête où les élites. Quand ça ne fait pas leurs affaires, quand la vérité éclate sur les réseaux sociaux, s'amusent à tuer. Des gens qui diraient trop la vérité. La fête du chantrail. Cette technologie qui
empoisonne toute cette planète, tous les éléments vivants de cette planète. La fête des vaccins, empoisonneur de l'humanité. La fête des scientifiques reptiliens sataniques